Yo tout le monde, c'est Génio et on se retrouve pour un nouvel épisode de notre village génial. On se retrouve, eh bien, normalement nous sommes le 26 au moment de la diffusion, donc juste après Noël. J'espère que vous avez été gâtés, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de Noël. Oh, il veut faire la course, lui, il veut faire la course. Vas-y, tu veux faire la course, vas-y. Et plus rapide que moi. Et du coup, eh bien, vous voyez, juste à côté de moi, petite surprise, parce que moi, je ne suis pas le 26, hein, j'ai tourné un petit peu en avance, donc j'ai tourné le 24 au matin. Et du coup, eh bien, dans Minecraft, c'est vrai qu'il y avait cette histoire que les cadeaux sont remplacés, enfin, les coffres sont remplacés par des cadeaux. Du coup, c'est plutôt cool, ça amène un petit peu plus de RP dans l'histoire. Voilà, on est vraiment en mode Noël. Et donc, vous l'aurez compris, je suis venu ici, il y a un coffre qui est du coup un cadeau, juste devant la ferme, puisque le premier bâtiment qu'on va améliorer, eh bien, ça va être la ferme, donc qui est actuellement niveau 3, donc elle s'occupe de un champ de blé là-bas, elle s'occupe d'un champ de carottes ici, et elle s'occupe d'un champ de patates ici, et donc on va lui rajouter un nouvel étage, donc au niveau des ressources, c'est du très classique encore. Je suis étonné en fait que, parce que là on monte niveau 4, c'est l'avant-dernier niveau, je suis étonné que dans les niveaux 4, il n'y ait pas des ressources un peu plus compliquées, mais bah limite ça m'arrange, hein, on va dire ça comme ça. Mais voilà. Alors du coup, Eddie, voilà, vous voyez, de toute façon, c'est toutes les ressources que j'avais mises dans le coffre. On va lancer l'amélioration de la, comment dire, de la ferme. Et du coup, j'ai préparé aussi les ressources. Alors là, j'ai pas les ressources exactes, mais j'ai préparé à peu près ce qu'on a besoin pour faire un champ. J'ai regardé le champ d'à côté, j'ai regardé, et puis bah voilà, tout simplement. Donc, je vais juste attendre que Eddie décide d'aller travailler. Hop, il doit être en route, je suppose. Ah, voilà, il est là. Bah tiens, je vais te donner toutes les ressources, parce que je pense que ça peut tenir dans ton inventaire. Donc, je te donne tout ça. Ah, mais il avait encore des trucs sur lui, là, c'est dingue. Hop, voilà, bah, pile poil, hein. Mais je suppose qu'il va encore déposer des trucs chez lui. Hop, alors j'attends juste qu'il il lance au moins la construction pour créer le champ. Parce que je sais que... Ah oui, d'ailleurs, du coup, je l'ai pas dit, mais en live, on a créé les maisons et on a amélioré toutes les maisons. C'est vrai que du coup, moi, ça remonte il y a quasiment une semaine. Mais on a amélioré toutes les maisons. Globalement, celle-là, je crois qu'on n'y a pas trop touché. Mais celle-ci a été créée jusqu'au niveau 2. Celle de derrière, améliorée niveau 2. Il y en a d'autres qui ont été améliorées. Donc ça y est, on a tous nos gardes. Et on a même deux personnes en trop qui, pour l'instant, sont étudiants. Voilà, à la librairie. Mais... qui seront plus tard, eh bien, des gardes, parce qu'ils ont des bonnes stats pour être gardes. Alors, du coup, ici, il faut qu'on aille dans les champs. Dans les champs, donc field, voilà. Et dans les champs nordiques, et qu'on prenne un large, parce qu'on a fait que des larges pour l'instant. Donc voilà, je vais le baisser de 2 crans. Parfait. Et on va venir l'aligner, parce que j'avais tout prévu, normalement. Voilà, c'est parfait. C'est parfait. Donc il va être juste ici, la barrière, je sais pas où est-ce qu'elle est, mais de toute façon c'est pas important parce que moi de toute façon je vais remettre des barrières. Donc voilà, on a notre petit champ juste ici, tac, construire le bâtiment, parfait. Et je vais pouvoir donner toutes les ressources qui sont juste ici à Eddie, et ça c'est pour nous, c'est on aura besoin, comment dire, de faire, comment dire, un peu d'ajustement après coup, mais c'est ce qu'on a toujours fait. Alors, Eddie, il est toujours pas venu, du coup. Il est toujours pas venu, mais au moins, il a accepté le bâtiment. Mais est-ce qu'il te manque des trucs? Non, il te manque rien du tout, hein. Il te manque rien du tout, donc je te remets tout ça. Tout ça, c'est pour le champ. Alors, à peu près, hein, parce que j'avoue que j'ai pas noté exactement les ressources. Ah, c'est bon, il y va. Alors, attendez, faut vite que je me dépêche d'aller chercher un petit peu de terre, hop, pour pouvoir monter un petit peu en hauteur, voilà, hop, allez, vite, avant qu'Eddie arrive, et puis bah écoutez, je pense, ah bah tiens, on peut se mettre là, comme ça on va voir le champ et la ferme, c'est plutôt cool, voilà, et du coup, voilà, si je me mets comme ça, à peu près, vous aurez la ferme et le champ.
Eh ben écoutez, c'est parti pour une petite ellipse. Et voilà, du coup, il n'y a pas eu de feu d'artifice, d'accord. Bon, notre petite ferme, alors qu'elle n'a pas beaucoup bougé au final, il y a juste eu un ou deux blocs en plus. Et du coup, le nouveau champ. Alors au niveau du nouveau champ, il me fait un petit peu n'importe quoi. Parce que genre, il a commencé à me... Il m'a cassé les barrières de l'autre champ parce que ça devait le gêner, je sais pas quoi. Et derrière, il a replacé les trucs, donc bon, ça servait un petit peu à rien de les casser. Mais bon, et du coup, effectivement, bon là, il a débêché les trucs, mais ça va se remettre. Et puis, il va falloir qu'on adapte. Alors attends, tu peux me rendre, parce que normalement, tu dois avoir des trucs en trop. Ah non, il a tout redéposé, mince, bon, c'est pas grave. On va arranger ça après. En tout cas, ici, on va pouvoir mettre... Alors attendez, je crois que j'en ai là-bas. On va aller les chercher. Les petites betteraves, parce que bah, globalement c'est ce qui nous manque. Je crois que le fermier peut pas s'occuper des citrouilles, il me semble que j'avais essayé un peu et j'avais vu qu'on pouvait pas. Donc là ça tombe bien, il me restait plus que les betteraves sur mon petit champ là à côté. Et puis du coup il me reste une citrouille, mais bon, c'est pas très très grave la citrouille. Donc on va mettre les betteraves ici. Voilà, donc on vient mettre les petites graines, si j'arrive à cliquer dessus, voilà. Les petites graines de betterave, parfait. Et il faut qu'on vienne dire que ce champ-là, il est occupé par toi, justement. Inutilisé. Bah non, c'est bon du coup. C'est bon. Alors tiens, du coup. Aider. Ah, tu as besoin d'une houe. Très bien. Eh ben tiens, ce moi je te donne prêt. Ça. Tu peux aller planter si tu as besoin. Ouais, elle a du compost, etc. Hop, la recherche au train. Ah, bah parfait, j'ai une recherche qui vient de se terminer. Je vous avoue que je me souviens plus trop de ce qu'on a cherché, mais c'est pas grave. Bon, on reviendra sur le champ un peu plus tard dans la vidéo, voir si elle a avancé, etc. Mais en tout cas, ça peut être très cool. Alors, il me semble que des houes, il y en avait quand même pas mal, hein, il me semble... Hop, qu'ils en avaient... Ouais, voilà, ils avaient fait un bon stock de houe à un moment. Bon, très bien. Eh ben écoutez, vu que la recherche vient de se terminer, on va aller voir au niveau de l'université ce qu'on peut lancer comme recherche, parce que c'est vrai que d'habitude, je le fais pas trop en épisode, mais là, effectivement, j'avais dû lancer une recherche en fin de live, et puis... enfin, en milieu de live, sûrement, et puis du coup, là, elle vient de se terminer. Hop. Donc, on va regarder un petit peu... Je vais vous montrer, d'ailleurs, ce qu'on a cherché en live, parce qu'il s'est passé des choses, quand même, hein. Alors, non, c'est pas ça. Alors, attends, Nimble, qu'est-ce que c'est? Ah, Nimble. Ah, la vitesse de marche de 5%. Ok, donc ça, c'est très cool. Donc, on a cherché ça aussi, Lifesaver, donc la vie augmentée de plus 6. Et on a cherché, ici, je les ai vus, voilà, Hot Boots, pour en gros donner de la résistance de feu à notre mineur. Je vais vous expliquer pourquoi on a fait ça. Et on a également fait Good Veins, du coup, ça donne plus de minerais de 25%. Donc pourquoi on a fait les bottes en feu? Alors attendez, d'ailleurs, faut que je regarde qu'est-ce qu'on va faire maintenant. Qu'est-ce qui peut être intéressant? Il y avait un truc que j'avais remarqué qui était plutôt intéressant. Voilà, c'est ça. Augmenter la saturation, parce qu'en fait, ils se plaignent tous d'avoir faim. Sauf que bah on a un restaurant, on a comment dire de la nourriture, donc je savais pas pourquoi. Et en fait j'ai remarqué que, enfin j'ai regardé sur le wiki et il y a un système de saturation. Donc je me dis que si on augmente la saturation de ça, ça peut être plutôt cool. Et il faut que 64 cookies. Donc je pense qu'on va lancer cette recherche là, ça va être plutôt cool. Donc du coup oui, je le disais tout à l'heure, ici celle-là je crois que je l'ai améliorée au moins niveau 3. Je crois, elle était déjà niveau 2, il me semble. Celle-ci, je l'ai montée niveau 2, puis niveau 3. Donc voilà, il y a du monde quand même. Je sais plus si... Oui, celle-là, je crois que je l'ai montée niveau 4 aussi. Elle y était pas. Et effectivement, celle-ci, du coup, elle est montée niveau 2. Et l'autre, eh bien, elle a totalement été créée niveau 1 et niveau 2. Donc voilà, au niveau des maisons, on est plutôt pas mal. Et donc, je vous disais au niveau... Ah, parfait, j'allais dire, je sais pas si je vais en avoir beaucoup. Mais si, on en a. En tout cas, j'en ai assez pour faire 64 cookies. Donc ça c'est parfait, surtout que je crois que ça en donne pas mal de ces trucs là, 8, tac, 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 voilà, parfait. Bon, bah c'est très bien ça, en plus, comme ça, ça fait des choses que je ne fais pas d'habitude en vidéo. Hop, ouais, bah les betteraves du coup je pense qu'on va en avoir énormément à partir de la prochaine fois. Donc ça va être très cool. Donc pourquoi on a fait la recherche de fire résistance, de résistance au feu pour le mineur? Tout simplement parce que notre mineur, Sarah Rémy, est
morte. Voilà, elle est morte. Et elle est morte dans un lac de lave, en fait. Je sais pas comment elle s'est débrouillée. Elle a dû creuser sous ses pieds, etc. Donc, c'est pas terrible, terrible. Effectivement. Et je me suis dit, bah vu qu'il y avait ça qui s'était débloqué, et bah autant le faire. Voilà, donc je lance la recherche pour la saturation. Comme ça, bah peut-être que ça jouera un peu en ma faveur pour la nourriture, le facteur de la nourriture, parce que ouais, ils se plaignent tous d'avoir faim tout le temps. Donc c'est un petit peu bizarre. Et donc, comme je vous ai dit, avec toutes les maisons qu'on a fait, etc. Donc j'ai désormais un assistant cuisinier ici, si on regarde. Hop, voilà. Donc il y a Mélissa et alors je sais pas où elle est, mais il y a aussi voilà l'assistant de cuisine, c'est Clara, je sais plus comment. Bon, enfin bref, il y a un assistant de cuisine désormais, donc il pouvait y en avoir deux, donc ça tombe bien. Il y a également, donc on avait dit un troisième chercheur, j'aurais pu vous le montrer tout à l'heure. Il y a, alors à la librairie, techniquement ils sont toujours que deux, mais actuellement ils sont quatre, parce qu'en fait j'ai deux villageois qui vont être très bien pour faire des archers. Donc je les ai pas pour l'instant mis à la librairie, mais ils seront déplacés en archers dès que j'aurai la caserne niveau 3, parce que pour l'instant je ne peux pas faire grand chose. Et donc au niveau de la mine ici, on a un nouveau. Alors bon, bah du coup, je peux pas vous le montrer parce qu'il doit être en train de miner. Mais il s'agit de Laurent Rémy. Donc en fait, on reste sur la famille Rémy. Ça reste quand même l'héritage des mineurs. Mais du coup, ce que j'ai fait, c'est que pour éviter qu'il remeure bêtement comme sa mère ou sa grand-mère, j'en sais rien. Eh bien, du coup, je l'ai fait changer de couche. Donc désormais, maintenant, lui, il creuse à la couche niveau 4. Voilà. Donc du coup, il va nous récolter des nouvelles ressources. Et vous voyez que là, il est en train de creuser. Donc c'est parfait, voilà, il est là, et du coup c'est un homme qui creuse maintenant. Qu'est-ce qu'il dit? Je n'ai pas eu assez de temps pour dormir ces trois derniers jours. Ah, bah c'est pas de bol. Faut rentrer de coucher, hein, faut pas non plus faire des nuits blanches. Hein. Je sais que j'ai augmenté leur temps de travail, mais c'est pas pour faire des nuits blanches non plus. Enfin bref, du coup, voilà, on a un nouveau mineur. Alors je sais plus, elle était niveau combien notre mineuse, mais bon, c'est pas grave. Mais tant qu'on est ici, ah, regardez ici, c'est un cadeau vert du coup, puisque nous allons améliorer, eh bien, la forge. Puisque y a pas mal de choses qui sont déverrouillables, on va dire, à l'université. Mais il faut une forge niveau 3. Donc ça faisait un moment, en fait, que je l'avais pas fait. Pourquoi? Parce que, en fait, pour la forge niveau 3, il fallait énormément de fer, notamment l'enclume. Il fallait les cotes de mailles ici. Et il fallait des seaux. Donc voilà, globalement, là, vous voyez, il y a des ressources un petit peu particulières. Et notamment, il y a pas mal de briques du Nether. On a été dans le Nether et on a pas mal tapé sur la forteresse qu'on a juste à côté de l'entrée. Donc, c'est plutôt cool. Et voilà, là, il y a 31 fer. Là, il y en a encore aussi un petit peu. Ils ont rajouté des crafts, du coup, dans le mode pour, si je vous montre, recettes, voilà. Il y a des crafts pour faire les trucs en maille, voilà, avec des fois des petits lingots, des fois des petites pépites, vous voyez. Hop, et ici aussi. Voilà, donc du coup, on va pouvoir améliorer la forge. Ça, c'est très cool. Voilà, Eddie. Parfait. Et il y avait des barreaux de fer aussi, effectivement. Hop, j'ai pas tilté dans le coffre, mais effectivement, il y avait des barreaux de fer. Donc, je prends tout ça. Voilà. Et on va avoir, du coup, une forge. Alors, il y a pas mal de blocs, donc du coup, je sais pas trop ce qu'il va me faire. Hop. Est-ce qu'il va faire un étage, ou est-ce qu'il va s'agrandir sur le côté? Je sais pas trop. Bref, en tout cas, je vais aller mettre tout ça chez Eddie. Et du coup, ouais, avec le fait qu'il travaille un peu plus tard, genre là, il est presque nuit, mais Eddie, il va à son boulot, quoi. Donc, si tu peux accepter la demande, moi, ça m'a... Ah, mince, il a pas accepté. Bon, c'est pas grave. On va tout mettre ici. Oh, mon Dieu, mais par contre, il a tellement de trucs, Eddie. Il a tellement de trucs. Hop, tac, 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 tac. Voilà, je mets tout ça. Et du coup, bah, je vais aller me coucher, parce que sinon, il va pas vouloir bosser, le petit filou, hein. Hein, tu vas pas vouloir bosser. Oh, mon Dieu, tous les villageois, là, qui sont... soit aligné en train d'aller se coucher. Bon, parfait. Très bien. Allez, requête de construction créée. Donc ça, c'est bon. Et on attend juste que Eddie vienne l'accepter. On veut un forgeron qui soit plutôt efficace.
Hop. Allez, tout le monde. Ah oui, attendez, il y a autre chose aussi. C'est que du coup, au niveau du bûcheron, vu que j'avais pas mal... Enfin, j'avais vu qu'il arrivait bien à gérer maintenant les arbres de 2x2. Alors, je pense qu'avec la nouvelle version du mod, en fait, il gère mieux les arbres 2x2. Du coup, j'en ai essayé. Hein. Ici, j'ai planté un arbre 2x2 de sapin et... Pour l'instant, il a l'air de bien le gérer, donc c'est plutôt pas mal, plutôt que les petits arbres, en fait. Souvent, les petits arbres, il a pas de pousses pour replanter, alors que là, en fait, vu qu'il tout commence par casser en haut, et les pousses tombent pendant qu'il est en train de casser tout le reste, donc c'est plutôt cool. Et globalement, il arrive à choper les pousses, donc je pense que je vais peut-être en mettre plus que ça, des arbres de 2x2, et en plus, vu que ça va plus vite à récolter aussi les ressources, alors pendant ce temps-là, on a des gens qui se TP, on ne se posera pas la question de savoir pourquoi. Hop. Et je double dit pour arriver à la forge, c'est parfait, magnifique. Hop, et je vais pouvoir me mettre... Oh, on est peut-être un peu près, là. Hop, si je me mets là, allez, je me mets là. Je sais pas trop, du coup, ce qui va changer, ce qui va... Oh, attends, je vais peut-être me monter un peu, quand même, pour avoir une petite vision un peu plus haute. Voilà. Je sais pas ce qui va me changer sur la forge. Il est où ? Mais il est pas reparti... Attends, qu'est-ce qu'il... Il est parti chercher des ressources, sûrement. Je vois pas son nom. Je ne vois pas son nom, mais je le vois pas là non plus. C'est toi ? Non, c'est toi ? Non. Ah, elle, du coup, elle a pas de boulot. Ouais, je crois qu'il y en a, on a un ou deux qui a pas de boulot, effectivement. Mais c'est pas grave, parce que bientôt, on va avoir besoin de travailleurs quand on va faire la garde niveau 3, là. On aura 5 nouveaux emplacements de travail, donc ça, ce sera plutôt cool. Alors, je sais pas si Eddy... Il me semble que j'ai doublé Eddy quand j'étais en train de venir. Ah, il arrive. Ok, bah il se fait attendre hein, ce petit Eddy, mais bon, écoutez, c'est parfait, on est parti pour une deuxième ellipse sur la forge. Ah, et bien, la petite forge qui, d'extérieur, a pas trop évolué, mais par contre, j'ai l'impression qu'il y a un peu plus de... Il y a un peu plus de bâtiments derrière, et notamment au milieu, il y a l'air d'avoir une cheminée qu'il a fait maintenant en netherbrick. On va aller voir ça, tiens, hop, voilà. On va aller voir ça, et la petite icône d'enclume, je suis dégoûté qu'elle serve juste à ça, quoi. Bon, ah, oui, effectivement, oui, j'ai l'impression, oui, c'est plus grand. Ok, donc là, du coup, moi, je lui ai fourni ceci, donc voilà, avec tout l'outil en pierre. Ok, donc du coup, effectivement, il s'est fait la cheminée, oh, avec la lave, du coup. Bon, oh, bah, j'espère que ça va pas brûler, mais je pense pas, hein. Je pense que c'est étudié pour. Ok, et du coup, il y a même une sortie de l'autre côté, alors, bon, je pense que ce sera très utile, mais pourquoi pas, ok. Oh, bah, très cool. Honnêtement, il y a une belle évolution, là. Effectivement, d'extérieur, on le voyait pas trop, mais il y a tout ce bout-là qui existait pas avant, et la cheminée qui a été totalement revue, enfin, pas la cheminée, mais le truc de forge, je sais pas si ça a un nom, ce truc-là. Hop. En tout cas, bah écoutez, c'est franchement cool. Et puis la petite icône, évidemment, juste devant. Et bah écoutez, c'est parfait. Du coup, je crois que ça va nous débloquer une ou deux recherches à l'université. Et ça faisait un moment que je voulais le faire, mais j'avais pas de fer justement. Donc là, vu que j'avais réussi à en avoir un petit peu, et bah c'était plutôt pas mal. Justement, en parlant d'université, des études, etc. Et bien, j'ai prévu également d'augmenter l'école, puisque là, vu qu'on avait fait pas mal de maisons durant le live, bah à un moment, l'école, elle était pleine, en fait. Donc, je me suis dit, oh, bah, allez, la prochaine étape, on augmentera l'école. Donc, bah, écoutez, on va voir un petit peu ce que ça donne. En tout cas, là, il y avait des ressources un petit peu galères. Et notamment, il y avait ça, mais ça, on l'avait déjà fait, les murs de papier. Il y avait des lanternes, lanternes aquatiques. Et il y avait un nouveau bloc qui est celui-ci. Alors, ah non, j'ai oublié de le traduire. Bon, je voulais le traduire, mais c'est pas grave. Qui est du coup un espèce de coffrage en bois autour d'une cobblestone. Enfin voilà, je pense que vous... Bah, de toute façon, on va le voir sûrement sur le bâtiment. Et sinon, il y a plein de petits tapis de couleurs, etc. Il y a des... Enfin voilà, c'est des blocs assez classiques. Mis à part là, les deux que je vous ai montrés, mais bon, c'est pas... Alors oui, attendez, du coup, le plus important, c'est de vous montrer le craft. Le craft, du coup, alors ça, on le fait en mettant ça ici, et ça, on le fait en mettant, voilà, une pierre, un bout de bois avec l'outil, ça en donne 4, donc franchement, ça coûte rien du tout, hein. Et un petit escalier en briques rouges, voilà, ils se sont fait plaisir. Et puis ça, pour rappel, c'était juste du papier avec du bois, et ça en donne 8. Donc c'est assez simple aussi à faire, hein. Globalement, il n'y a pas de truc très compliqué. Hop, on va pouvoir lancer la construction avec Eddy, donc voilà, hein, c'est tout ce que je vous ai montré. Parfait, amélioré, et... On va aller déposer ça au niveau d'Eddy. Hop, requête de construction
elle est faite. Faut que je récupère là tout ce qu'il y a chez Eddie, parce qu'à mon avis, durant le prochain live, il va falloir qu'on fasse du tri, parce qu'il garde des trucs là. Alors c'est pas plus mal, hein, c'est bien qu'il garde des trucs, mais là, je crois qu'il garde un peu trop de trucs, vous voyez, un petit peu. Hop, voilà, là, je sais même pas pourquoi il y a des émeraudes d'ailleurs, lui. Hop, il y a plein de trucs là aussi. Donc voilà, on va lui déposer tout ça, hop, dans ce coffre-là. Quoique, en final, j'aurais peut-être dû lui déposer directement dans son coffre perso, mais bon, c'est pas grave. Alors, il a accepté a priori, et voilà, faut attendre un petit peu que ça s'actualise. Mais il a tout, parfait. Ah, je suis déçu, je voulais le traduire. En même temps, vous avez vu, le nom de l'item, c'est Double Cross Plus, je sais plus quoi, là. Attends, c'est quoi le nom entier? Hop, donc c'est... Mais mince, ah bah il l'a pris. Il l'a pris, le filou. Hop, Double Cross Plus Cobblestone Timber Frame. Donc c'est ça, en fait, c'est des... C'est un coffrage en sapin, double croisé, autour d'une pierre. Je sais pas, je vais essayer de le traduire pour la prochaine fois, mais je vous avoue que... N'hésitez pas à me donner vos propositions de traduction pour ce truc-là. Mais, mon dieu, la longueur du truc. Bon, alors du coup, Eddie... Ouais, c'est bon, il est en train de récupérer toutes les petites ressources, là. Non, il est pas là, il est là, tiens. Il arrive, je l'ai vu à travers la torche et la barrière. Bah, c'est parfait. On va venir se positionner, hop, juste ici. Alors, j'espère qu'il va pas me recasser la terre. Non, c'est bon, j'avais fait un terraforming, hop, exprès pour qu'il n'ait pas à retoucher. On va se mettre ici. Voilà. Et là, on a une plutôt bonne vue sur l'école. Et bah écoutez, troisième petite ellipse. Ah, et bien là, on a une belle amélioration de l'école avec un nouvel étage de ce que je vois. Donc ça, c'est plutôt cool. Écoutez, franchement, là, plutôt joli celui-là. Hop, par rapport à la forge où effectivement, d'extérieur, on voyait pas grand-chose. Bah là, au moins, d'extérieur, on voit quand même quelque chose. Donc j'ai vu qu'il a augmenté aussi l'espèce de cage à poules, là, ou je sais pas quoi. Bref, donc du coup, on les voit, là, ces blocs que je parlais. Donc c'est ces petits blocs-là, avec des croix dessus. Et donc, il y en a effectivement sur tous les côtés. C'est plutôt stylé. On va aller voir à l'intérieur un petit peu ce que ça donne. Donc voilà, désormais, il y a... 6 sièges, oui, non, c'est parce qu'en fait, il y en a 2 là et 4 là, ça m'a perturbé, mais non. Il y a bien 6 sièges, c'est ça. Alors, l'étage, par contre, on peut pas y accéder, il y a une petite loupiote avec les 2 lanternes que j'ai mis. Et d'ailleurs, j'avais pas une lanterne aussi, mais vraiment un bloc de lanterne, il me semble que j'en ai donné une ou deux, non ? Il y avait pas ça dedans. Bref, et du coup, effectivement, alors, je sais pas si vous l'avez vu, oui, je pense que vous l'aurez vu, parce que vous, avec l'ellipse, du coup, ça se voit. Mais en fait, ça a agrandi de 3-4 blocs, je crois, par ici. L'école, donc ça c'est plutôt cool honnêtement. Ah, je suis plutôt content, et c'est vrai que c'est bien avec ces nouveaux blocs là, ils devraient les utiliser un peu plus dans tous les bâtiments, parce que c'est plutôt plutôt sympa, ça fait un peu plus sophistiqué que comment dire, que ce qu'on peut faire dans Minecraft d'habitude, c'est un peu plus détaillé, voilà, c'est ça que je voulais dire surtout. Donc j'aime c'est plutôt bien en tout cas ces blocs là, et je vais récupérer mon petit cadeau de Noël. Voilà, parfait. Magnifique. Bon, je crois qu'à la forge, j'ai pas récupéré, mais c'est pas grave. Bon, alors du coup, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Qu'est-ce que j'ai prévu d'autre aujourd'hui? Eh bien, on va améliorer un bâtiment qu'on ne s'est pas encore servi, mais qu'en fait, pour l'instant, j'ai essayé de me servir, mais je ne peux pas m'en servir. Et vous l'aurez compris, on se dirige par ici, vous avez sûrement vu le petit coffre. Il s'agit de la tour de mage. Alors la tour de mage, je voudrais revenir dessus, puisque à la base, en fait, je lui ai donné des livres pour qu'il puisse travailler. Et en fait, maintenant, qu'est-ce qu'il me demande? Il me demande un ancien tome. Et je me suis renseigné sur le wiki. Comment on récupère cet ancien tome? Eh bien, en fait, cet ancien tome, c'est un loot des pilleurs, des barbares, des pirates, enfin, de tous les types de PNJ qui peuvent nous attaquer. Mais seulement quand la difficulté est activée. Donc en fait pour l'instant on ne peut pas avoir d'ancien tome. Et le mage a besoin de... Enfin d'ailleurs c'est pas un mage, c'est l'enchanteur. A besoin de ce bouquin. En fait il a besoin d'un bouquin comme ça à chaque fois qu'il veut créer un bouquin enchanté. Donc en fait pour l'instant j'ai beau lui avoir donné des bouquins à moi. Bon je sais pas si non, il les a pu, mais enfin bref j'en avais donné. Et ben en fait il peut pas me créer de bouquin enchanté parce qu'il lui faut un ancien tome. Et à chaque fois qu'il faudra créer un bouquin enchanté de ce que j'ai lu, il faudra un ancien tome. Donc en fait tant qu'il n'y a pas la difficulté, globalement, il peut pas bosser.
Donc bon, bah, pour l'instant, il me sert à rien. Sauf que je vais avoir besoin d'enchantement, parce que notamment, je vais avoir besoin d'un silk touch. Il y a certains bâtiments, en fait, que j'ai regardé. Notamment, ici, le fleurise. Vous pouvez vous demander pourquoi il est toujours niveau 1. Bah, tout simplement parce que pour le niveau 2, il faut du podzol. Alors, du podzol, j'en ai. Mais ça se récupère qu'à la silk touch. Donc, je peux pas le récupérer comme ça. Donc, c'est un peu galère. Et pareil, le composteur niveau 4, il faut du podzol aussi. Donc, en fait, ces deux-là, je suis un peu bloqué, parce que pour l'instant, je ne peux pas les augmenter sans silk touch. Et lui ne peut pas me faire de Silk Touch, enfin du coup il peut faire aucun enchantement, donc j'ai pas de chance d'avoir de Silk Touch, vu que bah, il n'y a pas la difficulté. Donc c'est pas grave, on va quand même augmenter son bâtiment à lui, parce que lui on peut, et lui surtout ça va être très stylé, parce que regardez les ressources, il y a du vert orange, il y a du vert rouge, voilà, il y a des trucs un petit peu originaux, de la pierre, des échelles, enfin voilà, le reste assez classique, mais les deux verts, je crois savoir à quoi ça sert, et ça risque d'être plutôt stylé, donc j'ai très hâte de voir ce que ça va donner, et donc tout est ici, hop. Et il y a énormément de bois aussi, oui, c'est vrai que je l'ai pas dit, mais il y avait énormément de bois. Mais surtout, voilà, c'est les deux types de verres que d'habitude, on n'a pas l'habitude de voir ces composants-là. Et donc là, ça va être plutôt stylé, je pense, parce qu'il me semble que au tout début, quand on avait posé le bloc en live, il me semble qu'on avait regardé à quoi ça ressemblait les étages suivants. Et ben oui, c'est les exclusivités des gens qui viennent en live, ils voient un petit peu en avance. Et du coup... Ah oui, il a accepté, parfait. Comme ça, je vais pouvoir voir si... Hop, il a toutes les ressources. On verra plus tard, t'inquiète pas. T'inquiète, je te donne tout ce que t'as besoin. Hop, mais au final... au final, sur tout ce que j'ai... Enfin, sur tout ce que j'ai préparé, il a déjà tout. Il a déjà tout. Bah écoute, je vais tout déposer, on sait jamais. Parce que moi, j'avais préparé tout ça, les torches, etc. Et puis, tu nous rediras après coup si tu as encore besoin de choses. Bon, par contre, ils sont tous en train d'aller se coucher, là. Par contre, Eddie, c'est bien d'avoir accepté, mais bon, il faut un moment... il faut un moment travailler un petit peu. Hop. Allez, parce que le tour de mage, lui... Enfin, d'ailleurs, c'est une tour d'enchanteur. C'est pas une tour de mage, mais bon, c'est pas grave. Hop. L'enchanteur, lui, il aimerait bien travailler, mais il peut pas, parce qu'il faut la difficulté, etc. Donc c'est vrai que c'est un petit peu galère pour lui. Mais bon, on va pas le laisser de côté, on le laisse pas sur le bord de la route, comme on dit. Et on va essayer d'améliorer sa petite maison, voilà, Florine. Elle y va, hein, tous les jours, elle va à son boulot, et tous les jours, elle me dit, il me faut un truc. Hop, alors du coup, je vais plutôt me mettre par ici, parce que c'est par ici qu'il y a la tour de mage, enfin, qu'il y a la tour, justement. Hop, et par contre, il va falloir monter bien haut, parce qu'il y a pas mal d'arbres qui risquent de me gêner. Hop, bah, de toute façon, Eddie, il a fait un petit point sur ce qu'il avait besoin, et il est parti chercher les ressources. Ok, voilà, la vache, il va falloir monter bien, bien haut. Ok, bon, je pense pas qu'il va réaugmenter en hauteur, j'espère pas. J'aurais peut-être dû me reculer un peu plus, mais bon, bah écoutez, c'est pas grave, hein. Hop. C'est pas grave. Eddie, je crois qu'il est parti chercher les matériaux, il me semble que je l'ai vu filer par là-bas. Et bah écoutez, hop, je vais me mettre à peu près comme ça, je pense... Je sais pas, j'espère pas qu'il va réaugmenter la tour, sinon on verra pas le haut de la tour à la fin. Bon, sinon c'est pas très grave, hein. Mais en tout cas, et bah écoutez... On est parti pour le dernier, enfin pas timelapse, une dernière ellipse de l'épisode, puisqu'aujourd'hui il n'y aura pas de nouveaux bâtiments. Je me suis dit on va faire plus d'améliorations, parce que là c'est vrai qu'on a beaucoup de bâtiments qui sont encore niveau 1, 2, 3, donc autant améliorer ce qu'on a déjà avant de créer de nouvelles professions. Et bah écoutez, on est parti pour la dernière ellipse. Et voilà la tour de mage. Donc effectivement, elle a un petit peu grandi, mais surtout le truc stylé, voilà, c'est l'espèce de d'aura de je sais pas si c'est censé être de la magie ou quoi, mais du coup, une espèce de ruban de feu ou je sais pas quoi qui entoure la tour de mage. Donc franchement, c'est plutôt cool. Hop, on va regarder un petit peu. Voilà, en regardant d'ici, on voit que ça part de là, ah mais non, en fait, il y a deux rubans, parce qu'il y en a un qui part là, et qui doit être celui-là, et il y en a un qui part de là, et qui va là, et du coup, je sais pas où il est censé ressortir, mais en tout cas, c'est plutôt stylé, alors à l'intérieur, je sais pas s'il y avait beaucoup de changements, hop, bah du coup, ici, ah, voilà, on voit la ruban, là, ah, là, c'est pas terrible, mais bon, c'est pas très grave. Ok. Ah, ici, petit bug aussi, là. Bon,
écoutez, c'est pas très très grave non plus. On corrigera ça à la limite s'il y a besoin, ou sinon on laisse, hein, parce qu'on va pas passer non plus tout le temps ici. Voilà, en tout cas, parfait. Et la tour qui s'est agrandie, hein, du coup, elle s'est un petit peu agrandie. Hop, plutôt stylé, ok. Bon, y a pas grand chose de spécial pour l'instant, mis à part l'espèce d'aura de feu, là, ou je sais pas quoi, comment on pourrait appeler ça, c'est de la magie qui entoure la tour, hein, un truc comme ça. Hop, donc, au rez-de-chaussée, a priori, il n'y a pas de changement. Et est-ce qu'à l'étage, il y a du changement? Ben non, il n'y a pas grand-chose, au final, juste un... Par contre, la tour, genre, là, c'est même pas fermé, quoi. Bon, ok. Je pense qu'il y a eu un petit oubli, là, quand ils ont fait les modèles. Bon, en tout cas, plutôt stylé. Moi, j'aime beaucoup, hein, cet aspect de flamme. Alors, par contre, je vois pas où sont passées toutes les planches que j'avais données, parce qu'il y a... Bon, à mon avis, Eddy, il a dû les garder. Ou alors, je m'étais planté dans ce que j'avais noté, je sais pas, mais parce que j'avais préparé, ouais, quasiment 8 stacks de planches. Bref, en tout cas, bah écoutez, je suis plutôt content de cette tour de mage. Et puis, bah écoutez, Eddy a l'air d'être content parce qu'il reste à côté. En tout cas, on va pouvoir se laisser, je vais prendre un cadeau dans la main, c'est parfait. Je vous souhaite à tous encore, eh bien, de bonnes fêtes. Noël, j'espère que ça s'est bien passé. N'hésitez pas, comme je vous ai dit, à me dire ce que vous avez eu comme cadeau. Et puis, pour rappel, j'ai sorti, eh bien, ma première map pour cadeau de Noël. J'ai sorti ça le 24. Vous pouvez aller la télécharger. Ça s'appelle Find the Wool. Vous allez trouver rapidement sur la chaîne, eh bien, la vidéo. Et n'hésitez pas à y jouer, à me faire vos retours dessus. En tout cas, j'espère que cet épisode-ci vous a plu. Je vous souhaite une bonne nouvelle année, puisque la prochaine fois, nous serons en 2021. Et sur ce, bye tout le monde !